tous les amis. Bah ben voilà, aujourd'hui c'est le grand jour, donc 5 jours après, je viens récupérer les caméras. Je suis venu sans mon chien, je suis venu en vélo. Voilà, bah ça m'a fait faire mon sport aussi matinal, parce que ça grimpe bien. Voilà, là je viens de croiser des chasseurs, bon, ils étaient en petit couple. Mais bon voilà, je suis content de pas être venu avec mon chien, parce que la dernière fois la pression, ben, c'est galère quoi. Donc voilà, ben, je vais aller chercher les caméras et ben, ça part de là. Allez, let's go. Il y a déjà une caméra, ça c'est top. Vous la voyez là? Ah putain, je vous garantis que c'est la pression. Bon, je perds pas de temps, je vais l'enlever parce que j'entends les chasseurs, tout ça. Je lève mes caméras et après on fait un premier visu pour voir si je vis des prises. Allez. Les gars, la deuxième est là, elle est là, trop cool. Ah putain, déjà c'est un bon truc, j'ai récupéré mes caméras après 5 jours de gamberge. On est bon, on se retrouve un peu plus en bas là, pour être tranquille. Et je vous dis déjà s'il y a eu des prises. Allez, de suite. Très directement de chez moi, donc j'ai regardé pour la première caméra, donc côté forêt, cette prise. Et c'est très intéressant, c'est sympa à voir. Et pour l'autre caméra, donc qui était côté donc côté falaise, 167 prises, mais en fait de brindilles qui bougent par rapport au vent. Donc je suis dégoûté, mais bon c'est pas grave. Enfin, dans tous les cas, il n'y avait pas de, y a rien qui est passé. Sinon ça aurait pris aussi. Donc voilà, donc ça fait 5 jours quand même. Je pense que je mettrai les caméras donc sur un autre secteur. Parce que bon, faut savoir que c'est immense hein, la forêt, donc surtout ce territoire là-bas, c'est immense. Donc voilà, il y a encore du travail. De toute façon, l'observation c'est long, ça faut être patient. Faut pas baisser les bras, sinon c'est sûr que. Puis le loup est très très complexe à observer, très difficile. Surtout que c'est un animal qui bouge énormément, tout ça. Donc voilà, on va pas se plaindre de toute façon de ce que j'ai pris. C'est très beau à voir. J'espère que ça vous fera plaisir. Moi en tout cas ça me fait plaisir. Et je vous le partage quand même. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille, que vous avez bien mangé, bien rigolé. Et puis de toute façon je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais partir sur un autre territoire où j'ai mon meilleur ami qui a observé, enfin qui a vu un louveteau de 7-8 mois, donc devant sa voiture. Il était magnifique, donc je vais poser des caméras là-bas. Parce que je pense qu'il y a une meute qui traverse un peu les alentours là où il a vu le louveteau. Donc voilà, c'est un chemin, comment expliquer ? En fait, si vous voulez, vous avez une montagne et ils ont traversé pour aller boire, parce que plus loin il y a une rivière, il y a une source, et c'est ce que j'en déduis. Donc voilà, on va poser les caméras puis on verra bien de toute façon. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis belle journée à vous en tout cas. Allez, ciao ciao.